Bonjour et bienvenue pour ce second tutoriel destiné à découvrir le paramétrage du GoFree et surtout le téléchargement de fichiers GRIP via Wi-Fi sans utiliser de carte SDHT. On utilise un navigateur internet. Pour ma part, j'ai opté pour Chromium. On se rend sur l'adresse IP du GoFree. Par défaut, c'est 192.168.0.1. Comme je me suis déjà connecté pour faire des essais, ne me redemande pas de m'authentifier. Et par défaut, l'utilisateur est admin et le mot de passe admin. On arrive sur la page d'accueil. On arrive sur la page d'accueil qui comprend le statut de GoFree et ses paramètres généraux. Je vais vous montrer un petit peu tous les paramètres auxquels on a accès. On va dans le menu GoFree Access Point et là, on a le choix de la langue entre l'anglais et le chinois. En dessous, le statut que nous avons vu tout à l'heure, puis les statistiques qui en sortent toujours la volumétrie des échanges. Le menu Management qui permet d'accéder au paramétrage de base du GoFree, on retrouve la langue, le compte administrateur qu'on peut nommer autrement et changer son mot de passe. Le paramétrage de l'heure pas très utile dans une utilisation habituelle, ceci d'autant plus que l'information est perdue dès que le GoFree n'est plus sous tension. Dans le menu Operation Mode, on peut modifier la configuration Wi-Fi du GoFree. Ce n'est absolument pas recommandé. Dans le menu Settings, on a accès au SSID, le nom du réseau Wi-Fi, qu'on peut modifier au mot de passe. Il n'est pas recommandé, par contre, de changer la fréquence ni de modifier les paramètres DHCP. Un menu firmware update qui permettra de mettre à jour le firmware ou le bootloader si Navico diffuse d'un nouveau. Mise à jour qui ne peut s'effectuer que par le biais d'un câble Ethernet et pas par Wi-Fi. Et enfin, un menu system log dans lequel il n'y a aucun message. Et pour terminer, le menu statistique que nous avons déjà vu. Alors on va aller se rendre maintenant sur le NSS, à l'adresse 192.168.0.11. Cette adresse, vous pouvez la retrouver sur le NSS en allant dans le menu Paramètres, Système, NMEA0183, Ethernet, et vous retrouverez l'adresse IP du NSS. Alors, on arrive sur la page d'accueil du CIMR NSS avec... Allez, on y va. Trois zones. Les deux premières, download USR file et upload USR file qui permettent de faire une sauvegarde, restauration de l'applicatif CIMRAD, le logiciel de navigation que nous utilisons. Mais surtout, upload GRIP file qui nous intéresse. On va donc cliquer sur le bouton choisissez un fichier qui nous ouvre l'explorateur de fichiers, lequel sur notre ordinateur peut choisir un fichier .grb. On va cliquer sur ouvrir. Ouvrir. Voilà. Et on valide par le bouton submit. Alors, en quelques secondes, c'est terminé. Alors, on doit confirmer ça sur le NSS. Donc, sur le NSS, une fenêtre est apparue. A new group file has been uploaded to the local device. Et qui nous demande de confirmer l'import du fichier GRIP sur le NSS en appuyant sur oui. Voilà, une fois que c'est fait, on voit apparaître les flèches de vent sur la zone concernée. Ce tutoriel est maintenant terminé.